Je vous remercie pour votre présence. Pouvons-nous mettre la pertinence au cœur de la sémantique? Ça veut dire, pouvons mettre le phénomène de la pertinence qui est normalement mis dans la pragmatique, pouvons-nous mettre ça au cœur de la sémantique? Donc, je parle ici un peu de ma recherche actuelle. Bien sûr, c'est relativement technique, c'est de la recherche en logique. Mais je pense qu'on peut quand même dire quelque chose sans utiliser des symboles. Il n'y aura aucun symbole dans ce talk, vous pouvez être rassuré. Je vais introduire un peu les idées derrière, bien sûr pas le développement complet, mais je crois quand même qu'on peut avoir un peu une idée de ce qu'on est en train de faire. C'est pas moi seulement, c'est entre autres aussi Pierre Saint-Germier qui est ici, Pilar Thérèse qui est peut-être en ligne ou non, et avant aussi Jordaniel Dantas était parmi nous dans une petite équipe qui était financée par FNRS. Et j'étais bien sûr très très content d'avoir ce financement, mais ça c'est presque fini malheureusement. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. J'avais espéré que ce livre serait prêt après mon quadrice sabbatique. Malheureusement, c'est juste maintenant que je sais exactement qui doit être dans le livre. Maintenant, il y a la période d'écriture, mais j'enseigne 5 jours par semaine, donc l'écriture sera pour une autre sabbatique. Non, il y a beaucoup de parties écrites, mais ça dure toujours plus longtemps que prévu. Donc, qu'est-ce que la pertinence? C'est un phénomène linguistique. Je donne une définition qui n'est pas du tout la définition linguistique, hein, mais je donne un peu l'idée derrière. Tout est un peu vague, ce que je vais dire, mais ça doit être un peu léger et un peu compréhensible en général. Donc, ce n'est pas une conférence très académique dans ce sens, mais j'espère quand même pouvoir communiquer les idées qui sont bien développées de manière académique. Donc, je dis ici comme description, pas comme définition. Le phénomène linguistique, c'est de ça que je veux parler, où on présuppose que deux expressions utilisées ensemble sont liées. Si on va dans une même phrase ou dans un même contexte utiliser, mettre deux phrases, alors il y a automatiquement une présupposé ces deux sont liés quelque part ou autre. Un exemple va dire beaucoup plus. Donc, imaginez un petit dialogue entre Jean et Sophie. Et Jean dit, je viens de manger dans un très bon restaurant. J'adore les coquilles Saint-Jacques. Sophie dit, prépare-t-il des coquilles d'une manière spéciale dans ce restaurant? Et Jean dit, je n'en sais rien, je n'ai jamais mangé des coquilles. On pense que Jean est vraiment irrationnel et stupide et bon, qu'il n'a pas compris, qu'il a menti. Mais en fait, de manière purement logique, purement sémantique, il n'y a pas de problème du tout. Il n'a jamais dit qu'il a mangé des coquilles dans ce restaurant. Il a dit que c'était un bon restaurant. Et il a dit qu'il adore des coquilles Saint-Jacques. Ça ne veut pas dire qu'il a mangé ces coquilles Saint-Jacques là-bas. On a implicitement présupposé que ça devrait être le cas, sinon c'est absurde. Donc, il y a une idée de pertinence derrière la signification dans la communication. On cherche, on présuppose que quelqu'un qui dit deux choses va automatiquement présupposer que ces deux choses sont liées. Sinon, il n'avait pas mis ça dans la même phrase. Ça, c'est l'idée. Donc, c'est un phénomène de pertinence. Donc, il y a beaucoup de contextes dans lesquels ça joue. Et par ce phénomène, on peut expliquer comment ça se fait que on trouve que Jean est irrationnel ici, alors que strictement logique, il ne fait pas d'erreur. C'est plutôt Sophie qui fait l'erreur, on pourrait dire, si on est rigide ici.
En philosophie du langage et en linguistique, on fait la distinction entre sémantique et pragmatique. Sémantique, à nouveau, ce n'est pas la définition, c'est une caractérisation assez simpliste, mais bon, ça dit quelque chose au moins. La signification d'une phrase en dehors de tout contexte d'utilisation. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre si je lis la phrase et je ne sais pas qui l'a dit, à qui c'est dit, pourquoi c'est dit, et tout ça. Et donc, si on va à l'exemple ici, donc, j'adore des coquilles Saint-Jacques, ça a une signification hors contexte. Il faut savoir qui est je, mais dès qu'on sait qui est je, ça a une signification claire, sans beaucoup de contexte. La même chose pour cette première phrase, je viens de montrer blablabla. Bla, bla. Aussi, ça, c'est à une signification claire. Mais pour voir que qu'implicitement, il y a ce lien entre les deux qui est présupposé ou qui est assumé, il faut connaître le contexte, il faut voir que ces phrases sont dites ensemble dans un contexte de communication, de dialogue. Tout ça, c'est très important pour voir qu'il faut chercher ce lien où on peut s'attendre à ce qu'il y a une raison pourquoi la personne dit les choses juste à côté. À la sémantique, on a la notion d'implication qui correspond. Une phrase est impliquée par une autre phrase. Une phrase A est impliquée par une autre phrase B. S'il est impossible, selon la sémantique, que A soit vrai et B soit faux. C'est pas cello, mais selon. Mes excuses. Donc, là, on a l'implication logique rigide. On regarde juste la signification hors contexte et on voit qu'est-ce qui suit de cette signification. Alors, il y a aussi une implicature. Ça, c'est ce qui est impliqué par la phrase plus des présupposés. Et ces présupposés sont pragmatiques, sont liés au contexte. Le contexte d'utilisation fait que on a certaines présupposés automatiquement créés. Et le contexte ici, c'est par exemple mettre ces deux phrases exactement à côté, l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre. Donc, l'implicature n'est pas juste implication, ce n'est pas automatique, ça vient par défaut, la conclusion qu'on tire dans un certain contexte. Et donc, hors contexte, on peut seulement conclure les choses qui sont impliquées, mais dans un contexte spécifique, avec certaines normes d'utilisation du langage, on peut tirer plus de conclusions, mais c'est toujours une situation de manque de certitude. On n'est jamais sûr qu'il y a cette extra signification derrière. Alors, ça c'est une distinction relativement standard. Et donc, la position standard autour, mais bien sûr, les vrais philosophes du langage sont un peu plus nuancés par rapport à ça. Mais donc, en général, l'idée est qu'on peut séparer pragmatique et sémantique. Chaque phrase ordinaire a une sémantique. Et ça, c'est la seule signification qui est absolument correcte de la phrase. Mais éventuellement, on peut ajouter des présuppositions dans un contexte spécifique. Et la pragmatique doit régler la bonne implicature et présupposition et la présupposition dans le contexte. Et la logique derrière tout ne doit s'occuper que de la sémantique. L'implication, ça c'est le sujet de la logique et la pragmatique, c'est pour des linguistes ou des psychologues peut-être. Mais on a un sentiment de méprise par rapport à la pragmatique, dans la position standard, mais je dis à nouveau aujourd'hui, la plupart des philosophes du langage sont devenus plus raisonnables. Mais bon, je prends ça un peu comme
comme, comme l'ennemi abstrait ici. L'analyse des implicatures et de la pragmatique, partiellement, bon, il y a aussi d'autres auteurs, mais Grice était l'auteur qui est le plus connu pour cette analyse de l'implicature et qu'il a fait de manière très systématique. Et il a analysé avec des maximes. Par exemple, la maxime de quantité qui dit que votre contribution soit aussi informative que nécessaire. Ou doit être le plus informatif, non, doit être maximalement informatif. Donc, on ne peut pas donner pas assez d'informations dans un contexte. On ne peut pas non plus donner trop d'informations. Si on donne de l'information qui semble d'être complètement redondant, alors ça veut dire que il y a sans doute une raison pour ça. Cette personne dit ça, ça semble bizarre, alors cette personne dit ça pour une raison. Donc normalement, cette personne doit être parfaitement, ne peut pas donner trop d'informations. S'il donne trop d'informations, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Donc c'est toujours l'idée. Donc il y a des maximes. Si ces maximes ne semblent pas être respectées, alors il y a une présupposée qui fait que qu'il y a une raison pourquoi on ne respecte pas ou on semble ne pas respecter ces maximes. Il y a aussi une maxime de qualité qu'on ne peut pas contribuer de manière non véridique ou le plus véridique possible. Il faut communiquer si on a à nouveau l'apparence de dire quelque chose qui n'est pas vrai ou qu'on pense qu'il n'est pas vrai, alors il y a une raison pour ça et on peut raisonner à partir de ça. La maxime de relation, ça c'est exactement cette idée de pertinence. Il faut parler à propos du sujet. Et ça c'est ce qui ne marchait pas dans ce dialogue. Donc il était Jean était en train de parler de son restaurant, de ce qu'il a mangé. Et après il parle des coquilles. Mais selon les maximes, il doit parler sur le sujet dont il a sur lequel il était déjà en train de parler. Donc il y a la maxime de relation. Donc c'est correct pour Sophie de penser par défaut que il doit y être un lien entre ces deux phrases. Après, il y a aussi une maxime de clarté. Si ce n'est pas clair, c'est pour une raison. Mais tout ça, ça peut être annulé facilement si on dit bon, je donne, on donne beaucoup d'informations, beaucoup plus que ce qui a été demandé, et on ajoute quelque chose comme mais ça n'implique rien. Je voulais juste être complet ou quelque chose comme ça. Alors on sait que le maxime n'est pas respecté, mais c'est pas grave. On ne va pas tirer des conclusions erronées par rapport à ça. Ou je dis ces deux choses, mais ça n'a rien, l'une n'a rien à voir avec l'autre. Alors c'est annulé. Personne n'a fait une erreur. Et l'idée serait que la sémantique ne peut pas être annulée, alors que des conclusions pragmatiques peuvent toujours être annulées. Ça serait la distinction pour faire la distinction. Des problèmes de pertinence dans ce contexte avec une analyse plutôt gracienne. On va les analyser comme une transgression du maxime de relation ou peut-être de quantité. Bon, le système de Grice est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour donner une idée. Ce n'est pas le sujet de la conférence. Donc maintenant, on passe à la logique. Est-ce qu'il y a des aspects pragmatiques en logique? Il y a en tous les cas, dans la position standard, il semble que c'est nécessaire de tenir compte de certains aspects pragmatiques si on veut expliquer pourquoi certains raisonnements valides semblent de ne pas être valides du tout. Par exemple, il y a deux arguments là. Prémisse, j'ai faim, je n'ai pas faim, autre prémisse. Conclusion, je mange beaucoup. Ça, c'est un argument qui est parfaitement valide selon la logique traditionnelle. Pourquoi? Parce que
il est impossible que la prémisse soit vraie et la conclusion soit fausse. Vous voyez? Parce que la prémisse est déjà impossible, donc c'est aussi impossible d'ajouter que c'est fausse, que faux de dire je mange beaucoup. Donc, vous devez tenir ça en tête. Validité, ça veut dire impossibilité que la prémisse soit vraie, conclusion fausse. Ici, c'est en effet impossible. J'ai faim, je n'ai pas faim, je ne mange pas beaucoup, parce qu'il faut falsifier la conclusion. Alors, en effet, ça, c'est impossible. Parce que les prémisses sont déjà impossibles. Bien sûr, la conclusion n'a rien à voir avec les prémisses. Hein? Donc, on n'a clairement pas un cas de pertinence. Et pour nous, pour les gens qui ne sont pas subversés par la logique standard, ça semble absurde. Bah, dans mon cours de logique, je ne peux convaincre personne que ça c'est un raisonnement valide. Alors que il n'y a pas de doute dans la logique standard. Deuxième exemple, j'ai faim, j'ai mangé des moules. Conclusion, j'ai faim ou je suis malade. Aussi, ça c'est un raisonnement parfaitement valide. Pourquoi? Parce que j'ai faim ou je suis malade est une conséquence directe de j'ai faim. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec j'ai mangé des moules. Cette prémisse est complètement impertinente. Elle est là, mais ne fait rien du tout. Alors que si on dit j'ai faim et j'ai mangé des moules, alors j'ai faim ou je suis malade, ça veut dire autre chose. On va chercher des raisons pourquoi pourquoi quelqu'un voudrait dire quelque chose comme ça. On ne va pas prendre ça comme quelque chose qui est simplement valable, non problématiquement. Donc, on a une longue liste de conséquences logiques parfaitement valides, qui ne le sont pas selon les intuitions. On est bien sûr, c'est un problème. On a une confrontation des intuitions très très largement partagées et le système technique, et ça ne va pas ensemble. Donc il faut trouver une solution. Et la solution traditionnelle, c'est de dire c'est tout pragmatique. Comme on avait la pragmatique pour résoudre cette situation de Jean et Sophie. Aussi ici, c'est un problème de pragmatique. La sémantique dit que ce sont des bonnes validités, aucun problème, et ces validités sont filtrées comme des validités qu'on ne peut pas déclarer. Elles sont vraies, elles sont valides, aucun problème, mais on ne peut pas dans un discours les énoncer parce que il y a un manque de pertinence. Et pertinence, c'est juste le maxime de relation de quantité de grace qui fait que si on déclare quelque chose, il faut avoir pertinence de tous les éléments. Ça, on peut faire. C'est pas très riche comme solution parce que on ne décide pas encore quels sont ceux qui sont filtrés et non. C'est juste dire, on ne s'occupe plus parce que, en tant que logicien, la pragmatique, c'est trop compliqué pour nous. Donc, ce n'est pas une vraie solution, mais bon, on peut déjà faire taire toutes les critiques basées sur cette idée. Bon, c'est la pragmatique, on s'occupe de la sémantique. Mais la solution ne semble pas très idéale parce que la raison pourquoi ces arguments ne semblent pas être valides intuitivement n'a rien à voir avec une dépendance du contexte. Il ne faut pas connaître le contexte pour savoir qu'elles ne sont pas valides intuitivement. Je n'ai pas donné de contexte, j'ai juste donné ces validités et vous avez vu, ça, ce n'est pas... Ce n'est pas ce qu'on considère intuitivement valide. Donc, c'est au moins intéressant de chercher une solution qui n'utilise pas la pragmatique ou qui essaye de
de marier un peu, de combiner la pragmatique et sémantique, de remettre un peu, de supprimer cette frontière stricte entre les deux. Donc, la question est, pouvons-nous le faire autrement? Pouvons-nous mettre cet aspect de la pertinence au cœur de la sémantique pour ce genre d'application? Il y a beaucoup plus d'applications, mais ça serait une première application, la validité pertinente. Je voudrais dire oui, et il semble que la réponse est en effet oui. Je ne vais pas trop enthousiaste, mais il semble relativement prometteur que ce projet fonctionne. Bon, on n'est pas les premiers de le faire, il y a toute une tradition de logique pertinente. Mais la différence derrière la logique pertinente traditionnelle, c'est que c'est vraiment une logique non standard. Donc, on a commencé à complètement recréer la logique du rien du tout pour exactement faire la distinction entre les validités non pertinentes et ceux qui sont pertinentes. Et les pertinentistes vont dire que c'est même pas des validités, c'est complètement des sophismes, comme d'autres sophismes si on a ces deux exemples ici. C'est pas même des validités. Ici, l'approche serait plus, on accepte que ce sont des validités, mais la pertinence est aussi une propriété sémantique, une propriété logique qu'il faut analyser logiquement et ne pas pousser ça vers la pragmatique du début. Donc, on ajoute quelque part le filtre qui est normalement en pragmatique, on met le filtre à l'intérieur de la sémantique. Comment ça marche? C'est pas très facile d'expliquer, mais je vais quand même l'essayer sans symbole et tout ça. C'est en utilisant la notion de grounding, ou fondement. C'est une notion qui est très souvent, qui est relativement populaire dans la littérature quotidienne de philosophie. C'est assez naturel, cette notion, surtout en philosophie, cette notion de grounding. C'est en français, c'est fondé sur, basé dans, basé sur, peut-être, être ancré dans, où on a une certaine vérité. Et on va chercher sur quoi cette vérité est basée. Donc, on peut avoir une vérité, par exemple, mentale, par rapport à la, par exemple, Jean a mal. Et la vérité de Jean a mal peut être, selon certains philosophes, être basée sur une propriété de son corps. Donc, on a une relation de basée sur entre ces deux éléments, avoir mal et avoir une certaine propriété de son cœur qui son corps qui est vrai à ce moment-là. Donc, on peut faire ça entre les niveaux, entre le mental et le physique, mais aussi à l'intérieur d'un niveau. En philosophie, on dit souvent cette idée est basée sur cette idée et tout ça. On utilise implicitement tout le temps cette notion, surtout dans des disciplines qui ne sont pas empiriques. Dès qu'on a des données d'expérience, c'est un peu moins nécessaire de dire tout le temps sur quoi on base certaines affirmations. Mais en philosophie et d'autres disciplines moins empiriques, on utilise beaucoup cette notion. Et on le trouve, si on commence à chercher, on le trouve sur beaucoup d'endroits. Et donc, la notion de grounding est maintenant analysée, ou la littérature, il y a quelques propositions pour l'analyser formellement, cette notion de basé sur, être basé sur. Ça a été très fructueux, cette recherche. Il y a entre autres Kit Fine qui a été ici il y a quelques ans.
et qui sera ici peut-être à nouveau, est un des grands pères fondateurs de ce nouveau monde, mouvement d'analyser le grounding. Voilà, et donc on va utiliser ça pour notre sémantique. On pourrait dire que c'est un terme technique qui regroupe beaucoup d'idées différentes, mais l'idée derrière est toujours quelque chose comme vrai en vertu de ce fait ou cette phrase est vrai en vertu de la vérité de cette phrase. Donc fondé sur, basé sur, ancré dans ce genre d'expression en français. En français, on a plein de façons de le dire. En irlandais, malheureusement, il n'y a rien du tout. En vertu de, ça n'existe même pas. Il n'y a pas de... Et donc, c'est très difficile d'expliquer ma recherche si je n'ai pas même de mots. Donc, si on dit grounding, on a le mot ground, mais ça veut dire terre. Donc, ce n'est pas très utile, mais on a quand même un peu l'idée. De ce cas. Mais il n'y a pas de mot qui dit exactement ça. En français, heureusement, oui, sinon ça devient encore plus compliqué. Mais je pense que même les néerlandophones ont quand même des intuitions sur la relation de fondement, même si ça peut être pas reflété dans un seul mot. Donc c'est une forme d'explication, mais ce n'est pas juste explication, c'est explication qui n'est pas dans le domaine épistémique. C'est pas que je pense que Jean est mal parce que je pense que Jean a une certaine propriété physique. C'est vraiment dans la nature qu'il y a le fait d'avoir mal pour Jean et le fait d'avoir une certaine propriété corporelle. Et entre ces deux faits ontologiques, il y a un lien de fondement. Donc ça, c'est la différence entre une explication plus normale. Il y a toujours un aspect épistémique là-dedans. On explique quelque chose à quelqu'un et donc on communique ça c'est exagéré. Souvent, c'est aussi juste une explication en termes de causalité. Donc, je dois faire... je ne peux pas dire ça. Mais donc, c'est une explication qui est ne pas basée sur la causalité, ni basée sur des phénomènes épistémiques. C'est encore autre chose. C'est une relation d'explication qui est vraiment dans le monde. Ou qu'on pense qu'il y a dans le monde. Bien sûr, on peut parfaitement dire A ground B, A grand ground, c'est compliqué les deux langues. A est fondé sur B. On peut parfaitement dire cela sans qu'il y ait vraiment quelque chose dans le monde. On peut bien sûr se tromper comme on peut se tromper sur tout. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas vouloir, qu'on ne veut pas dire quelque chose par rapport au monde, quand on dit est basé sur. Donc on a une ontologie de faits qui n'est pas plate, en fait. On n'a pas juste les faits, mais les faits sont structurés par le fondement, par la relation de fondement. On peut retrouver ça en métaphysique, en philosophie morale, en tout ce qui est, qu'on parle des droits, par exemple. Un droit est souvent basé sur un autre droit, ou une obligation peut être basée sur une autre obligation. Et donc, cette relation est très... est très important là aussi. Donc c'est assez global et on pourrait dire que c'est même la relation de causalité pour les philosophes. Donc les physiciens, ils peuvent avoir leur causalité avec leur truc qui bouge vraiment. Pour nous, rien bouge, mais on a les faits qui sont liés et s'il y a, on a un fait, alors automatiquement il y a un peu de mouvement abstrait qui se passe vers le deuxième fait. Donc c'est notre phénomène qui fait que nous pouvons aussi faire des expériences de penser et tout ça.
Je pense que ça suffit pour une petite introduction à cette notion. Donc, je vais ici argumenter en faveur de passer d'une sémantique qui est very conditionnelle, qui est la sémantique standard, disons, vers une sémantique qui est basée sur le fondement, sur le grounding. Je vais juste donner un exemple. En sémantique very conditionnelle, on va dire X est un carré, un certain objet est un carré, est vrai si et seulement si X est quadrilatère, est vrai, et X à quatre côtés égaux est vrai. Ça peut être une règle sémantique qui correspond à la définition d'un carré. C'est peut-être pas la meilleure définition, j'en sais rien. Mais donc, on donne des conditions de vérité pour énoncer des choses comme X est un carré. Donc, les conditions de basée de vérité sont l'essentiel d'une sémantique traditionnelle, surtout en logique classique. Sémantique intentionnelle et tout ça, il y a toujours cet aspect de viriconditionnalité. Après, il y a ce que nous voulons proposer, c'est la sémantique par le fondement. Et là, on dirait plutôt que la vérité de X est un carré peut être fondée sur la vérité de X est quadrilatère et la vérité de X a quatre côtés égaux. On pourrait dire que c'est presque la même chose, c'est juste compliquer les choses, les affaires. Mais en fait, c'est une bonne chose que vous pensez que c'est le cas. Parce que je pense, mon hypothèse, je ne veux pas impliquer quelqu'un d'autre, mon hypothèse est que on pense que la définition viriconditionnelle est attractive parce qu'on est à l'intérieur de notre tête, intuitivement, on a cette sémantique par le fondement déjà prêt. Et donc, on est prêt à directement traduire vers une sémantique viriconditionnelle, mais on ne devrait pas le faire. Il faut rester au niveau de fondement parce que ça donne beaucoup plus de nuances dans la sémantique. Là, dès qu'on fait, on ne va pas vers la vérité conditionnalité, mais on reste sur ce qui est basé sur quoi, et on va automatiquement développer une approche qui est ouverte vers la pertinence. Donc, qui va pouvoir expliquer la pertinence. Et il ne faut pas payer un grand prix. On peut garder la même définition, il faut juste la lire différemment. Si un mathématicien dit ça c'est défini comme P est vrai pour A, si et seulement si, Q est vrai pour A et R est vrai pour A, par exemple, ce que cette personne veut dire est fondamentalement la vérité de P est vrai pour A est basée sur Q est vrai pour A et R est vrai pour A. C'est ce que je pense avoir dit. Donc, le mathématicien va souvent dire P A, et je pense ça, si et seulement si Q A et R A. Et donc, on peut lire ça de manière very conditionnelle, mais on peut aussi distraire des règles de fondement à partir de ça. C'est-à-dire, par exemple, QA, virgule, RA, grounds, fonde, PA. Il y a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il y a aussi, bon, peut-être je peux quand même les dire. On peut aussi dire que la fausseté de PA la fausseté de QA est un fondement de la fausseté de PA. La fausseté de RA est basée sur la fausseté de
base peut fonder la fausseté de PA. Bon, comme ça, si je peux essayer de dire la vérité, truth, et donc ça, c'est la relation de fondée. Si on prend QA et RA, ou la vérité de QA, la vérité de RA, on a un fondement pour la vérité de PA. Donc, ce sont des règles de fondement qui sont purement, purement basées sur des définitions ordinaires, sur des propriétés ordinaires. C'est pas qu'il faut ajouter quelque chose qui est intuitivement bizarre. Il faut juste retraduire les liens entre notre connaissance en termes de relation de grounding pour arriver à une sémantique par le fondement. Et ce qui est très spécifique pour cette notion de grounding, de fondement, c'est que cette relation est automatiquement pertinente. Si on dit ça et ça fonde ça, on ne peut pas dire un certain X, une autre chose, avec ces deux, fonde ça. Ah non, 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 le fondement est prêt avec ces deux. Si on ajoute quelque chose, c'est trop. Si ce n'est pas pertinent, ça ne joue pas de rôle dans le grounding. Et là, il n'y a aucune discussion. En logique, on va dire, oh oui, non, pertinence, c'est une question de pragmatique et tout ça. Mais dès qu'on parle de grounding, tout le monde accepte que, bien sûr, ça, c'est une relation pertinente. On ne peut pas ajouter des bases pour quelque chose. Alors, on a trop, ça ne passe plus rien. Aussi, juste la métaphore de quelque chose qui est vraiment d'une construction, d'un bâtiment, quelque chose comme ça. Si le bâtiment est basé sur un fondement ou une fondation, alors juste ajouter un autre objet, n'importe quoi, on ne peut pas dire que ça va aussi supporter quelque chose comme ça, le bâtiment. Donc, il n'y a pas de discussion. La relation de fondement, c'est pertinent. Et c'est ça exactement ce dont on a besoin. Parce que maintenant, on peut dire, pour A implique B, on peut obtenir... A implique B peut maintenant être lu comme quelque chose comme on peut obtenir B ou la vérité de B en utilisant les fondements potentiels de A. C'est pas tout à fait exact, cette définition. Donc, un peu plus précisément, un argument est valide, mais maintenant pertinentement valide. Ça coûte beaucoup plus si on veut construire une logique non pertinente basée sur les fondements. Donc, un argument est valide de manière pertinente si il est exactement contradictoire d'avoir un fondement pour la vérité des prémices et un fondement pour la fausseté de la conclusion. Donc, on ne peut pas... l'erreur est complète et exacte si on veut fonder la prémisse et fonder la fausseté de la conclusion. Donc, si avec cette définition, bien sûr, il faut préciser les détails, mais ce qu'on obtient est exactement quelque chose qui est super proche à la logique standard. La seule différence est que c'est pertinente. Et ça ne peut être que pertinent parce que nulle part dans le grounding, on peut ajouter des grounds qui n'ont rien à voir. Donc, il y aura toujours un lien entre prémisse et conclusion avec ce genre de définition. Parce que autrement, on ne va pas avoir une exacte contradiction entre les deux. Donc, la pertinence qui était d'abord quelque chose qu'on voulait, mais qu'on ne pouvait pas facilement atteindre, maintenant est la première chose qu'on rencontre avec la définition. Et c'est beaucoup plus compliqué
d'avoir toutes ces, ou compliquées, ça nécessite une extra étape d'avoir la logique normale qui n'est pas pertinente du tout à partir de cette logique pertinente. Ok, là maintenant la question est bien sûr, on doit acheter tout ce grounding. Est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer ici? Parce qu'on avait d'abord juste des conditions de vérité et maintenant tout à coup on a besoin de ces relations de grounding qui semblent être ontologiquement lourdes. Et en fait, ontologiquement c'est probablement plus lourd. Je suis prêt à payer ce prix. Je pense pas que c'est trop grave, mais parce que moi je pense que la nature est comme ça, qu'il y a des faits avec des relations de fondement entre eux. Donc je suis totalement prêt d'affirmer ça. Mais donc là, si vous êtes contre ce poids ontologique, j'accepte votre critique. Mais je pense que pour comprendre, pour formaliser des validités dans le langage ordinaire, dans la vie ordinaire, disons, par rapport à notre croyance en tant qu'humain, je pense pas que c'est un grand prix à payer parce que connaître les fondements d'une croyance, c'est souvent quelque chose qu'on fait automatiquement. Avoir une connaissance ou une bonne croyance dont on ne connaît pas du tout les fondements est un peu problématique. Si on a on sait qu'une certaine proposition est vraie, mais on ne sait pas d'où ça vient, c'est basé sur quoi, alors est-ce que c'est même considérable comme connaissance, pas selon la définition de justified true belief, croyance justifiée et vraie, ça doit être justifié, donc basé sur quelque chose. Donc, je pense qu'on peut toujours retrouver des liens de fondement avec des gens qui ont des croyances justifiées. Bien sûr, ça doit être élaboré. Je n'ai pas donné un argument complètement fermé ici. Bon, pour finir, je veux illustrer pourquoi cette notion peut aussi être riche pour d'autres contextes que juste la validité logique. C'est déjà assez pour moi, mais on peut vouloir faire plus avec la nouvelle sémantique. Et à nouveau un exemple gastronomique. Je pense que j'avais faim au moment de l'écriture de ces slides. Non, j'aime vraiment cet exemple. Donc on a un concept, par exemple le concept liste d'ingrédients d'une carbonade de bœuf. J'aime beaucoup la carbonade de bœuf, mais c'est pas très important ici. Donc voilà, il y a une liste qui peut tomber sous la parapluie de ce concept. C'est juste un exemple d'une liste. Il y a bien sûr des milliers de recettes pour une carbonade de bœuf. Et donc on peut aussi avoir des milliers de listes d'ingrédients. Donc il y a beaucoup de listes qui sont concernées. Donc ici c'est le reste, si ça vous intéresse, des ingrédients. Maintenant, on voit que c'est un concept exact dans le sens que c'est entièrement pertinent. Donc ça veut dire que toutes les parties de ces listes doivent être pertinentes pour obtenir la carbonade. On ne peut pas juste ajouter 10 cuillères de vinaigre dans la liste. Ça ne serait plus une liste d'ingrédients pour faire carbonade. La carbonade serait dégoûtante, sans doute. Mais de l'autre côté, strictement dit, on peut dire, oui, on peut bien préparer avec cette liste où on ajoute plus de vinaigre, on peut préparer une carbonade simplement par en jetant le vinaigre dans la poubelle. Ça peut être une ligne dans la recette. Maintenant, jeter la vinaigre parce qu'elle n'est pas bonne. Quelque chose comme ça.
Et donc, si on veut des conditions de vérité pour ces genres de concepts, on va avoir beaucoup de difficultés. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être très difficile d'éliminer des cas comme ça, s'il y a trop de vinaigre, simplement parce qu'on peut ajouter, et ça, ça permet encore de créer la carbonade. Pas de manière efficace, mais ça, c'est possible. Mais ce n'est pas le cas si on a une sémantique basée sur les fondements. Parce que qu'est-ce que le fondement de A fait partie d'une liste d'ingrédients d'une carbonade de bœuf? Bah, c'est l'existence d'une recette dans laquelle l'ingrédient est effectivement utilisé. Et la référence à la recette est complètement perdue si on va juste avoir la définition, disons, extensionnelle du concept des listes d'ingrédients. On a 50 listes, on a aussi une liste plus large comme liste acceptable, mais on ne fait plus référence à l'origine de la raison pourquoi on croit que c'est une liste d'ingrédients pour la carbonade. Et donc, si on utilise ces fondements, parce que c'est la seule bonne fondement, on ne va jamais avoir de problème avec du vinaigre et tout ça, parce qu'il n'y aura pas de recettes. Bon, on peut imaginer des recettes, naturellement, on va construire des concepts comme ça sur base de quelque chose qu'on connaît déjà, ces recettes. Et on ne va pas penser à des recettes non efficaces. On a peut-être une infinité, mais on a une série de recettes pour la carbonade. Et basé sur ça, on peut définir un concept de liste d'ingrédients de carbonade. Si on utilise une sémantique par le fondement, c'est très naturel d'obtenir la caractérisation de ces listes qui est complètement voulue selon les intuitions. Parce que, à nouveau, on ne se pose pas simplement la question « est-ce que c'est vrai que c'est un ingrédient ?» mais on se pose la question « pourquoi est-ce que c'est vrai que c'est un ingrédient ?» De quelle façon est-ce rendu vrai ? En vertu de quoi est-ce vrai que c'est un ingrédient dans la liste ? Ça c'est une application des notions comme ça qui semble d'être où il y a un aspect de pertinence qui est essentiel et ça n'a rien à voir avec le contexte. Dans n'importe quel contexte, on veut que ce concept soit entièrement pertinent. Et ça, automatiquement, si on a une bonne théorie des fondements, on va avoir la bonne sémantique et ne pas la sémantique qui donne tout ce vinaigre. Mais il y a aussi en philosophie beaucoup d'autres concepts qui sont essentiellement pertinents, selon moi, qu'on peut beaucoup plus facilement traiter dès qu'on a une sémantique basée sur le fondement. Par exemple, l'explication. Une explication doit toujours être pertinente pour ce qui est expliqué, pour l'explicandum. Sinon, on ne sait pas. Si on peut avoir, donc si on dit A explique B, on ajoute C ici, C et A explique B. Ça n'a aucun sens parce que C n'a rien à voir, ça juste, il n'y a rien expliqué, on a juste troublé l'affaire. Si on veut expliquer pourquoi l'étoile, cette étoile-là est sur cet endroit exact, on a une explication. Si on ajoute que le soleil est très chaud aujourd'hui, des choses comme ça,
Bien sûr, ça donne seulement de la confusion, ça détruit l'explication. Donc, la relation n'est pas pertinente parce que l'explication doit être entièrement pertinente. Toutes les parties de l'explication doivent contribuer. Et donc aussi, parce qu'il y a cette notion de contribuer, si on connaît les grounds, les fondements, on sait qu'est-ce que ça veut dire de contribuer et développer une approche à la explication. Ça, ce n'est pas encore fait, ou pas, on a certaines idées, mais ce n'est pas encore dans le même état que l'application de la validité et la pertinence de la validité. La logique des réponses et questions. Une réponse doit, dans le langage naturel, toujours être pertinente. Si on pose la question, le Tour Eiffel, dans quel pays ça se trouve, ce n'est pas une bonne réponse de dire le Tour Eiffel se trouve en France et l'atomium se trouve en Belgique, par exemple. C'est pas une réponse à la question. Mais c'est pas très grave dans ces cas-là parce que on sait que cette autre partie n'a rien à voir avec la question. Mais bon, ça n'est pas. On peut facilement ignorer cela ou nier cela, oublier cela. Mais c'est beaucoup plus pire pour des questions pourquoi et des questions comment préparez-vous ça. On donne une méthode. Si on ajoute quelque chose d'autre à cette méthode, alors cette méthode va être donnée des résultats problématiques. Ce n'est plus une méthode. Donc aussi ça, là, chaque élément de la réponse doit être pertinente pour la question. Donc on obtient une logique des questions qui est pertinente et qui est complètement différente que les sémantiques des questions et des réponses sont aujourd'hui. Il y a certaines tentatives d'une sémantique pertinente des questions, mais ça reste très peu. Il y a deux articles quelque chose comme ça. La relation d'essence, qui est une relation profonde en philosophie, bien sûr, il est essentiel, selon Aristote, pour être humain, d'être un animal. Il est essentiel pour être humain d'être rationnel. Ce genre d'affirmation. Aussi ça, on a automatiquement pertinence. On ne peut pas dire que ajouter simplement de l'information et dire que c'est encore essentiel. On a juste besoin de ce dont on a besoin, tout ce qui contribue, mais pas plus. Et aussi là, relativement, on a quelques hypothèses pour une sémantique qui dit quelque chose comme ça assez facilement dans cette théorie de pertinence que je viens de vous présenter. Et voilà, ça c'est mon petit propos ici. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.